Emma Ananda Mwayi. 12 novembre 2019. Chers fils et filles, je suis celle que vous connaissez sous le nom de Ananda Mwayi, étoile du feu et de la grâce. Aujourd'hui, je vous apporte l'amour et la tendresse de l'Assemblée des étoiles et de la Mère divine, Eloha Marie. Nous vous entourons de notre étreinte d'amour, de douceur et de joie. Accueillez-nous dans votre cœur. Le cœur devient grand et généreux, il ne se souvient plus de l'étroitesse de la personnalité. En lui, il n'y a plus de désir désordonné, mais seulement la réceptivité qui traverse vos entrailles. Enflammant chaque fibre et chaque atome de la matière en expansion et en transformation. Aujourd'hui, tout ce que j'ai pu transmettre en ma dernière incarnation, est offert à grande échelle à tous les fils et filles qui reçoivent avec ouverture et joie la descente de la vérité et du feu divin, ceux qui se sont livrés de toute leur âme à la plénitude de l'extase de l'amour. Faisant de l'âme un feu incandescent témoin de l'esprit de vérité. Comme les frères Melchizedek vous l'ont répété, c'est le moment d'intégrer et de vivre tout ce que vous êtes depuis votre origine unitaire. C'est l'esprit qui unifie autant la personnalité que la psyché humaine avec l'âme inférieure et l'âme divine. Elles sont réintégrées dans l'étincelle éternelle de l'esprit. Alors le feu béni illumine toute la matière, toutes les parties les plus sombres que vous n'avez pas encore envisagées et qui font également partie de la lumière. Ainsi donc, nous vous invitons tout à accepter les aspects les plus profonds, les plus sombres et les plus cachés de la Terre, qui correspondent à votre corps physique et à la mère Gaïa. Ainsi aujourd'hui vous pouvez vivre, sans aucune séparation, la grâce de l'esprit de votre personnalité, se manifestant en vous avec allégresse et joie, exprimant la force de l'esprit. L'âme, qui n'est pas seulement la partie qui avait été limitée par les cycles de réincarnation, mais la véritable âme divine qui fait partie de toute la matière et de la création universelle. Elle est révélée par ce qui est réellement l'aspect féminin, réceptif et formateur, accueillant les directives et les impulsions de l'esprit. Recevez quelques instants notre force féminine, d'amour et recueillement. Élevant l'âme de la Terre, sa véritable essence, vers les sphères qui maintenant la concernent, où la lumière divine imprègne l'âme de feu la transformant en l'âme divine et universelle. Dans l'essence qui nourrit, exprime et donne vie à chaque impulsion de l'esprit. Ouvrez votre cœur en rendant grâce à la vie. Remerciant d'être présent. Remerciant d'être ici et maintenant. Remerciez à tout moment. Recueillez-vous, entrez dans votre temple, la demeure du Seigneur que vous avez construite ici même. Entrez et priez. Entrez et allumez le flambeau. Priez à tout moment afin de faire vivre la lumière et l'amour où que vous soyez. Priez, c'est maintenir l'état de communion, d'union et de connexion avec la divinité, avec l'essence. Priez à tout moment afin d'être en la dilatation et la joie. De cette façon, vous préserverez le calme, l'amour et la perception claire devant les conflits et les altérations qui surviennent de partout. Votre force se trouve dans l'amour. Tout autre usage de la force vous entraînera dans la spirale descendante qui absorbe maintenant tout ce qui doit être déconstruit. Dans de nombreux endroits, les âmes se réveillent et réalisent leur potentiel, leur droit à la liberté, leur droit de briller et d'aimer, de grandir dans les conditions optimales. Nous assistons à un merveilleux réveil des âmes autour de Mère Gaïa. À différents niveaux, à différents endroits et tous également sublimes. Comme pour chaque petit pas que vous faites vers la lumière, des milliers de rayons de feu envahissent plus fort le cristal de la Terre. Laissez entrer l'aimé dans votre demeure, ouvrez la porte et laissez-le vous baptiser avec le feu. Rejoignez l'extase de l'âme divine avec la force et la présence de l'Esprit divin. Aujourd'hui vous pouvez le faire, en révélant la totalité, la force de l'Esprit avec la dilatation et l'expansion de l'âme. Lorsque le commandeur des anciens a visité mon ashram en Inde, nous nous sommes reconnus et nous nous sommes mutuellement embrasés par le regard. Pendant qu'il était avec moi, précisément ses chaussures ont disparu et pour celui qui comprend, tout a un sens.
L'état que j'ai exprimé correspondait à une extase intérieure de l'âme en dilatation et en offrande totale à l'amour. Le commandeur en revanche, était venu instaurer et ancrer, avec la force de l'âme Arzakti par ses pieds de feu, les fondements de la nouvelle vie manifestée. Aujourd'hui, vous pouvez vivre les deux aspects, recevoir et propager l'amour de l'âme divine et en même temps la manifester avec la force de l'esprit dans un enracinement total. Ainsi, vous fusionnerez les deux polarités en vous, rejoignant le cœur en flamme et les pieds en flamme. Je suis Mahananda Mohayi, étoile du feu et de la grâce. Tout ensemble avec les étoiles et la mère divine, nous vous saluons au nom des Elohim et les maîtres généticiens. Nous vous entourons de nos radiations et émanations de pureté, d'amour et de tendresse. Offrez-vous au feu, à l'esprit de vérité. Il est l'amour qui unifie et enflamme tout. Nous vous accueillons et nous sommes présents en un seul cœur. Transmis par Sila Persikar.